Accordo quadro di distribuzione dei servizi interattivi di connessione ad Internet a banda larga via satellite TUE tra Poste Italiane e Eutelsat. Firma per la parte italiana Massimo Sarmi, amministratore delegato di Poste Italiane, e per la parte francese Michel de Rosen, amministratore delegato Eutelsat. Accord cadre de distribution des services interactifs de connexion à Internet à haut débit par satellite TUE entre Poste Italiane et Eutelsat. Les signataires sont, pour la partie italienne, M. Massimo Sarmi, directeur général Poste Italiane. Pour la partie française, M. Michel de Rosen, président directeur général Eutelsat. Je crois que nous ne sommes pas supposés dire un mot, mais je voulais seulement souligner que, Monsieur le Premier ministre, le satellite que j'ai posé à côté de votre chaise a été construit par Astrium à Toulouse. C'est un satellite français qui est opéré par des équipes italiennes à Turin. C'est le satellite le plus puissant d'Europe et il permet de donner le haut débit à tous ceux qui en ont besoin et notamment ceux qui ne l'ont pas par les technologies terrestres. Et il va, Monsieur le Président, jusqu'en Ukraine. C'est donc un très bon satellite, le plus puissant. Voilà. Et grâce à notre accord avec Poste Italiano, tout le réseau de la Poste va permettre à ceux qui ne sont pas connectés d'avoir accès au haut débit. Voilà ce que je vais dire. Merci. Merci pour l'Ukraine. Firma del protocollo d'intesa per la commercializzazione di 10 lanciatori Vega tra l'ESA, Arianespace e la società italiana ELV e firma della lettera d'ordine di Arianespace per l'avvio della produzione dei lanciatori. Firma per la parte italiana per Luigi Pirrelli, amministratore delegato della ELV. Per la parte francese Stéphane Israel, presidente e direttore generale di Arianespace. E per l'ESA Antonio Fabrizi, direttore dei lanciatori. Signature du protocole pour la commercialisation de 10 lanceurs Vega entre l'ESA, Arianespace et la société italienne ELV et signature de la commande de Arianespace pour le lancement de la production des lanceurs. Les signataires sont pour la partie italienne M. Pierluigi Pirrelli, directeur général de ELV, pour la partie française M. Stéphane Israel, président directeur général de Arianespace et pour l'ESA M. Antonio Fabrizi, directeur des lanceurs. Bien, pour ajouter à l'indiscipline de l'un de nos clients préférés, Eutelsat, nous allons dire juste un très bref mot. C'est un grand honneur pour Arianespace, ELV et l'ESA de signer sous un tel patronage 10 lanceurs supplémentaires Vega qui viennent compléter notre gamme à Kourou
Et donc nous allons remettre au président de la République et au Premier ministre un exemplaire un peu miniature de chacun de ces lanceurs. Je vous remercie. Ha ora luogo la conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Enrico Letta, e del Presidente della Repubblica francese, François Hollande. Bonsoir. Premièrement, je me suis réjoui avec François pour son soutien hier soir. Au résultat de l'équipe de France, ça a été très important parce qu'un championnat du monde sans France-Italie n'aurait été pas possible. Donc je suis très content du fait que vous y êtes aussi et naturellement j'espère de se revoir en finale et d'être ensemble une autre fois encore. Siamo al 31esimo vertice tra Francia e Italia e credo mai come in questo vertice la cooperazione tra i nostri due paesi ha raggiunto dei livelli di intensità così forti, innanzitutto come numero di ministri presenti, in secondo luogo come intensità di scambi e positività di conclusioni e poi perché abbiamo insieme deciso di assumere alcune iniziative importanti a livello europeo, queste iniziative saranno molto significative perché crediamo che l'Europa debba in futuro entrare dentro una legislatura che comincerà con il maggio, con le elezioni di maggio e che sarà introdotta dalla semestre di presidenza italiana, che sia una legislatura basata sulla parola crescita. E quindi insieme Francia e Italia vogliono lavorare perché la prossima legislatura europea, 14-19, sia la legislatura della crescita. Vogliamo lasciare dietro le nostre spalle la legislatura della sola austerità, la legislatura della crisi che abbiamo vissuto in questi anni e lavoreremo insieme perché sia la legislatura della crescita. Questo partirà dal Consiglio europeo di dicembre, il prossimo, nel quale vogliamo lavorare perché venga applicato definitivamente tutto ciò che abbiamo deciso in materia di unione bancaria e quindi vogliamo assolutamente che il Consiglio europeo di dicembre raggiunga l'applicazione di quegli accordi che già sono stati presi nei mesi scorsi, ma che vedono qualche eccesso di timidezza in giro per l'Europa. Per quanto ci riguarda è assolutamente necessario invece che il Consiglio di dicembre applichi definitivamente e consenta la partenza della Unione bancaria. Ma poi lavoreremo insieme nei prossimi mesi perché effettivamente la prossima legislatura sia la legislatura della crescita. Questo vuol dire tante cose, vuol dire innanzitutto una intesa franco-italiana molto forte, molto intensa, sul tema della zona dell'euro, la governance della zona dell'euro, primo punto, il bilancio della zona dell'euro e la fiscal capacity, la capacité financière della zona dell'euro, che per noi rappresenta il grande obiettivo, essere cioè in grado di far sì che accanto alla moneta ci siano anche quelle politiche fiscali e di crescita che consentano di far sì che effettivamente la moneta unica sviluppi tutti i suoi aspetti positivi e non soltanto, purtroppo, come abbiamo visto in questi ultimi anni, gli aspetti che dai nostri cittadini e dalle nostre imprese sono visti come negativi. Ecco perché questo grande tema, legislatura della crescita,
per quanto ci riguarda sarà il mantra del prossimo periodo, sarà il titolo del semestre di presidenza italiano e abbiamo deciso di lavorare in modo tale che il semestre di presidenza sia italiano ma sia anche italo-francese il più possibile, perché il grado di intesa su tutti i temi, la questione per esempio del mettere al centro le politiche migratorie, in particolare quelle del Mediterraneo, nel Consiglio europeo di ottobre abbiamo già stabilito alcuni punti in comune, a dicembre abbiamo intenzione di insistere su questo, la stessa cosa su altri temi che hanno a che vedere con la politica internazionale. È stato, per quanto ci riguarda, molto interessante sentire il punto di vista del Presidente Hollande di ritorno da un viaggio di successo a Gerusalemme, capire i suoi punti di vista e i punti di vista che ci accomunano su gran parte degli scenari di crisi globali. Abbiamo parlato di Libia, la grande preoccupazione per una situazione istituzionale e statuale più che debole in Libia e la necessità di lavorare invece per un rafforzamento istituzionale che vede Italia e Francia sullo stesso, sulla stessa lunghezza d'onda. Stessa cosa per la Siria, con la necessità di applicare la risoluzione delle Nazioni Unite sulla messa al bando delle armi chimiche e naturalmente su tutti gli altri scenari importanti dei quali hanno parlato in particolare i ministri Fabius e Bonino. Credo che sia stata molto importante il nostro vertice bilaterale anche per tanto rafforzamento del lavoro comune nei tanti settori che hanno visto i diversi ministri coinvolti. I ministri erano tanti, sono stati tanti e credo che questo sia la dimostrazione di un buon lavoro comune che abbiamo fatto e del fatto che vogliamo assolutamente completarlo. Penso al tema dei trasporti e delle infrastrutture, tema sul quale i nostri due paesi collaborano intensamente. Naturalmente c'è il tema della continuazione del percorso che riguarda la Torino-Lione, ma oggi abbiamo parlato anche di un'altra importante infrastruttura che vogliamo molto spingere, è l'infrastruttura Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza, rappresenta sicuramente un percorso molto importante di impegno per rendere i nostri due paesi ancora più osmotici, perché crediamo che sia fondamentale che ci sia una capacità di collegamento ancora maggiore. E quindi termino rapidamente e lascio la parola al Presidente Hollande. Credo che questo vertice saluti un rafforzamento veramente straordinario dell'intesa tra i nostri due paesi. Il fatto che oggi abbiamo fatto una riunione di 22 ministri, praticamente abbiamo copresieduto un Consiglio dei Ministri congiunto e credo che sia stato il segno e la dimostrazione che Francia e Italia hanno una comune visione di un'Europa più forte, più unita, più legata alla parola crescita. E quindi insisto su questo punto e aggiungo, voglio anche molto ringraziare François Hollande e il governo francese perché l'iniziativa che in materia di lavoro, di lotta alla disoccupazione giovanile, il governo francese, Michel Sapin in particolare, hanno assunto ospitando a Parigi l'ultimo vertice di capi di Stato e di Governo con i ministri del lavoro, ha consentito poi la decisione, che noi ovviamente abbiamo salutato con grande soddisfazione, di continuare questo esercizio straordinario della lotta europea contro l'incubo di tutti noi, che è quello della disoccupazione giovanile crescente, attraverso un prossimo incontro che si svolgerà nel prossimo semestre in Italia, a Roma, in lo stesso formato che rappresenta sicuramente un passo avanti molto importante, perché riteniamo che la lotta alla disoccupazione giovanile sia anche un modo col quale l'Europa dimostra di parlare ai cittadini europei dei problemi più gravi che oggi i cittadini europei vivono, le nostre famiglie oggi vivono, in particolare il dramma della crescente disoccupazione giovanile per i loro figli come il tema probabilmente principale. E il fatto che l'Europa abbia deciso di occuparsene con alcuni risultati concreti, i primi
risultati concreti. Noi vogliamo che ce ne siano molti di più e lavoreremo perché ce ne siano molti di più. Infine, ho espresso anche un grande ringraziamento per quanto riguarda il sostegno importante che la Francia, e quindi un ringraziamento particolare a François Hollande, a Jean-Marc Ayrault, la Francia ha voluto dare a Expo 2015, che rappresenta per l'Italia un grande obiettivo, l'obiettivo di sviluppo sul quale siamo così impegnati. Mi fermo qui, ringrazio ancora di cuore il Presidente francese e gli lascio la parola. Bien, mesdames, messieurs, je voudrais d'abord remercier Enrico Letta pour l'accueil qu'il m'a réservé cet après-midi, ainsi qu'au Premier ministre Jean-Marc Ayrault et aux membres du gouvernement français. Je voulais lui exprimer ma solidarité et celle du peuple français à la suite des drames qui sont intervenus. Je pense aux inondations en Sardaigne et j'adresse toutes mes condoléances aux victimes. Nos relations bilatérales, ce sommet en est une illustration, sont excellentes. Le dire presque paraît superflu. On a de la relation et de l'amitié entre la France et l'Italie souvent une image convenue. C'est vrai que nous avons un accord total sur le plan politique, que sur le plan européen nous nous retrouvons sur des positions qui sont également communes. Mais je voudrais insister sur le contenu même de ce que nous faisons depuis déjà plusieurs mois, plusieurs années ensemble. Et les accords qui viennent d'être signés en sont l'illustration. Il y a, dans des domaines comme la recherche, comme l'espace, comme la défense, des rapprochements qui sont tout à fait majeurs entre la France et l'Italie. Et sur le plan économique, je dois rappeler que la France et l'Italie sont les grandes économies de la zone euro avec l'Allemagne et l'Espagne. Et que l'Italie, c'est le deuxième partenaire commercial de la France. Et la France, c'est le deuxième partenaire commercial de l'Italie. Voilà comment nous pouvons qualifier notre amitié au-delà de celle qui réunit les personnes, c'est le cas entre Enrico Letta et moi-même, ces deux peuples qui s'engagent, et on le voit aussi dans des grandes infrastructures. Depuis des années, la question du Lyon-Turin est posée régulièrement. Nous sommes, j'allais dire au bout du tunnel, non, au début du tunnel. Mais enfin, que de travail a-t-il fallu pour en arriver là? Il y a deux actes très importants qui ont été posés. Le premier, c'est la ratification par les parlements respectifs du traité de 2012. L'Assemblée nationale vient d'en décider en France. Le second acte important, c'est le vote par le Parlement européen de ce qu'on appelle le cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire des fonds qui vont être dégagés et dont une part sera affectée justement à cet équipement de Lyon-Turin. En 2014, l'appel d'offres qui a été lancé sera souscrit et nous pouvons penser que les travaux pourraient être engagés à la fin de 2014 ou au début de 2015. Voilà une illustration. Mais je veux aussi venir sur ce qui nous mobilise aujourd'hui. Nous sommes à la veille et du Conseil européen du mois de décembre et des élections au Parlement européen du mois de mai. Nous avons la même intention, la France et l'Italie, c'est de faire de la croissance, de l'emploi, de la stabilité le cœur de nos décisions pour le sommet du mois de décembre et pour le travail du futur Parlement européen. D'autant plus que
l'Italie aura la présidence de l'Union européenne au second semestre. Nous avons, sur la question de l'Union économique et monétaire, et notamment de la zone euro, trois objectifs. Le premier, c'est de poursuivre et d'achever l'union bancaire. Je ne veux pas rentrer dans le détail, dans les procédures, dans les mécanismes, qui d'ailleurs sont souvent incompréhensibles. Je ne veux pas dire pour les gouvernants. Si je puis dire, je leur fais ce crédit. Mais sont néanmoins des mécanismes essentiels. Nous finissons par oublier que la crise qui a frappé l'Europe et la zone euro était d'abord une crise financière et que la réponse devait être aussi sur la régulation de la finance. Et l'union bancaire, ce n'est rien d'autre que la capacité qui sera donnée à la zone euro et à l'Union européenne d'éviter, de prévenir, d'empêcher et même de régler toute difficulté qui pourrait se poser sur la question des banques et du crédit. Donc si nous réglons l'union bancaire, nous en terminons non seulement avec la crise qui vient de se produire, mais nous donnons les armes à la zone euro pour empêcher sa reproduction. C'est un acte majeur et nous devons aller jusqu'au bout. Et la position que nous prenons, la France et l'Italie, c'est d'aller jusqu'au bout de l'union bancaire, bien sûr, avec nos partenaires. Le deuxième engagement, le deuxième objectif que nous assignons, c'est de donner une capacité financière à la zone euro. La France, elle a affirmé, c'était au mois de mai, lors d'une conférence de presse, que nous voulions avoir des avancées dans la zone euro. Puis nous pensons que l'Europe, elle ne peut pas marcher d'un seul pas. Il y en a qui devront aller plus vite que d'autres, et notamment ceux qui sont dans la zone euro. Les pays qui ont fait le choix d'une monnaie unique. Dès lors, ces pays-là pourraient convenir d'une capacité financière. C'est la proposition que Enrico a rappelée. C'est-à-dire de pouvoir emprunter pour financer un certain nombre d'investissements. Ce qui aurait l'avantage de faire diminuer les taux d'intérêt que des pays sont obligés de souscrire pour emprunter. Si nous étions d'ailleurs dans une zone monétaire sans perturbation, ce qui était le cas avant la crise financière, ce serait le même taux d'intérêt qui serait proposé à un pays comme la France, à un pays comme l'Allemagne ou à un pays comme l'Italie. Le même taux d'intérêt, c'est ce qui existait avant. Donc nous devons retrouver et la stabilité nécessaire, mais aussi une capacité financière qui pourra effectivement laisser penser que demain ou après-demain, nous pourrions avoir une capacité budgétaire dans la zone euro. Le troisième objectif, c'est d'avoir une gouvernance de la zone euro, c'est-à-dire un président de l'Eurogroupe qui puisse être nommé pour une certaine durée et avoir cette fonction-là en exercice à plein temps. Nous avons également comme volonté de faire que la prochaine législature, ce sont les mots d'Enrico Letta, puisse être une législature en Europe de croissance. Si je puis dire, la précédente, et les responsables n'y sont pas pour grand-chose, ça a été une législature de crise, ou de sortie de crise. La prochaine législature doit être une législature de croissance. Ce qui suppose la stabilité financière, l'union bancaire, la coordination des politiques économiques et une volonté de mettre l'emploi au cœur de nos décisions et d'avoir un soutien de l'activité, et notamment dans le domaine des nouvelles technologies ou l'énergie ou même l'industrie de défense. Sur l'emploi, nous avons deux objectifs. Le premier, c'est de traduire les décisions que nous avons prises, notamment sur l'emploi des jeunes, le plus rapidement possible. C'était le sens du sommet qui s'est réuni à Paris il y a quelques jours.
et qui a lancé la garantie jeune, a préparé la mobilisation des crédits européens, a demandé aux États de présenter des dispositifs nationaux, et dès le début de l'année 2014, les financements devront être libérés. Et le sommet qui pourrait se tenir, qui se tiendra au printemps prochain à Rome, veillera à évaluer la bonne exécution de ces crédits et à donner une ampleur nouvelle aux politiques que nous proposons pour les jeunes. Le deuxième objectif en matière d'emploi, c'est d'éviter qu'il y ait un dumping social. Nous ne pouvons pas accepter des distorsions. Nous ne pouvons pas admettre que des directives soient détournées de leur objectif et de leur sens. Je pense notamment à la directive détachement, qui aboutit à ce que des employeurs utilisent une main-d'œuvre sans la rémunérer, comme il est prévu pourtant par les traités, c'est-à-dire selon les règles du pays qui accueille. Donc nous avons l'obligation à la fois de permettre une bonne application de cette directive, voire même d'en faire les corrections nécessaires et le plus rapidement possible, et deuxièmement, de faire dans chacun de nos pays un contrôle beaucoup plus vigilant et beaucoup plus dissuasif. Je veux terminer mon propos pour dire que l'engagement européen, notamment par rapport à l'élection qui va avoir lieu au mois de mai, est majeur. Ce qui est en cause, c'est maintenant l'avenir même de l'idée européenne. Ce qui va être proposé aux électeurs, ce n'est pas simplement de savoir si nous devons faire un peu plus ou un peu moins d'Europe, c'est de savoir si nous voulons l'Europe ou si nous n'en voulons plus. Nous, nous avons décidé, et je parle ici à Rome, là où a été signé le traité qui a créé le marché commun. Nous, nous avons décidé de faire l'Europe, ce qui suppose de l'orienter dans la bonne direction et de faire des avancées. L'Europe, quand elle s'arrête, elle tombe, donc elle doit avancer. Et c'est la responsabilité de deux pays fondateurs de l'Europe, l'Italie et la France, que de le rappeler aujourd'hui. Nous avons juste évoqué, sur le plan de la politique étrangère, un enjeu qui nous est commun, qui est la Méditerranée. Et aujourd'hui, la préoccupation que nous avons, notamment du côté de la Libye, c'est de remettre, là aussi, de la stabilité et de l'ordre. Le risque étant que le chaos puisse avoir des conséquences extrêmement graves. Enrico a parlé de la Syrie et de l'Iran. Je me suis déjà exprimé sur ces sujets et nous partageons les mêmes objectifs. Voilà pourquoi j'ai été très heureux de participer à ce sommet en attendant le prochain. Merci. Ma question s'adresse au président français. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, ici présent, a annoncé une remise à plat de la fiscalité française. Il a rendez-vous avec les partenaires sociaux dans les prochains jours. Question, prenez-vous l'engagement, monsieur le président de la République, que cette réforme ira à son terme, qu'il y aura une loi sur une réforme profonde de la fiscalité en France l'année prochaine ou sous votre quinquennat? Et dans le cadre de cette réforme, considérez-vous que la fusion impôt sur le revenu CSG est de nature à introduire davantage de justice fiscale quand certains redoutent que le résultat revienne à faire peser davantage de fiscalité sur les classes moyennes? Merci. La réforme fiscale est un engagement que j'ai pris durant la campagne présidentielle. La réforme fiscale, elle a été pour partie engagée, mais elle doit être poursuivie tout au long du quinquennat. Ce qu'a proposé le Premier ministre, c'est d'abord de rencontrer les partenaires sociaux, ça c'est la méthode. Et ensuite, d'avoir une réforme de notre système d'imposition qui ait trois objectifs. Un objectif de simplification, un objectif de clarification et un objectif de justice. La réforme fiscale, c'est aussi une réforme structurelle, une réforme de compétitivité. C'est d'ailleurs pourquoi il avait été proposé à l'ensemble des partenaires sociaux
une évolution du financement de la protection sociale, comme au moment de la réforme des retraites, il avait été évoqué des assises de la fiscalité pour les entreprises. Donc il y a là un engagement qui se traduit et qui prendra le temps qui est nécessaire, c'est-à-dire le temps du quinquennat, mais qu'il est très important de préparer dès aujourd'hui. Presidente francese Hollande su Alitalia. Air France ha già comunicato di non voler partecipare all'aumento di capitale. Lei considera questo capitolo chiuso o comunque può ancora svolgere un ruolo su, per quanto riguarda questo tema? E invece una domanda al Premier Letta sugli incidenti che questo pomeriggio ci sono stati riguardanti appunto la TAV. Qual è la posizione naturalmente dell'Italia su questa opera infrastrutturale e soprattutto quale sarà la risposta dello Stato? Sur les discussions qui peuvent exister entre Alitalia et Air France, il ne m'appartient pas ici d'en parler. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas le président d'Air France. Parce qu'il y a des discussions qui doivent se poursuivre jusqu'au bout et qui doivent être dans l'intérêt des deux entreprises concernées. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas donné de préférence, j'ai simplement à souhaiter que les discussions se poursuivent pour arriver au meilleur résultat pour les deux compagnies. Ovviamente profondo dispiacere per gli incidenti che si sono verificati oggi a Roma e l'auspicio e la speranza che questi incidenti possano non aver creato o non creare dei danni irreparabili. Per quanto riguarda la infrastruttura, la grande infrastruttura, come ho detto prima, è una grande infrastruttura che va avanti e va avanti con la tempistica che è stata poco fa indicata, perché rappresenta sicuramente un asse strategico europeo e con altri assi strategici europei è assolutamente fondamentale che il nostro paese dentro l'Europa sia all'interno di questi assi strategici. Punto. Bonsoir Monsieur le Premier ministre, bonsoir Monsieur le Président. Monsieur le Président Hollande, on vous voit beaucoup ces derniers temps sur la scène internationale alors que votre Premier ministre s'expose davantage en France, monte en première ligne. Est-ce que votre discrétion s'explique par votre impopularité et quand comptez-vous retourner au contact des Français, que ce soit sur le terrain ou bien par une expression plus directe? Merci. C'est vrai que je suis dans cette période dans un certain nombre de pays amis, et c'est ma responsabilité que d'y être. Aujourd'hui, je suis en Italie, mais vous avez remarqué, je suis avec le Premier ministre français. Mais je vais vous donner ma conception des choses. Quand je suis à l'international, je sers la France et je pense à la France. Quand je suis en France, je pense aussi aux questions internationales, qui relèvent de la responsabilité que j'exerce. Et pour aller jusqu'au bout, je ne fais pas de différence entre la politique extérieure et la politique intérieure. Parce que ce que je décide en France, avec le gouvernement, donc le Premier ministre, a des conséquences sur le plan européen, sur le plan international. Et lorsque je m'engage à l'extérieur, et c'est arrivé ces derniers 18 mois, ça a des conséquences pour la France. Et je m'adresse même aux Français quand je suis à l'étranger, parce qu'il se trouve toujours un journaliste pour me poser la question. Merci. Buonasera, sono Enrica Agostini di Rai News 24. Volevo chiedere al Presidente Hollande, oggi ci sono state delle dichiarazioni a proposito dell'Iran, dell'Ayatollah Khamenei, che ha detto che la Francia si è piegata ai voleri di Israele, se pensa che queste dichiarazioni siano la dimostrazione che gli Stati Uniti e il Presidente Obama siano andati troppo oltre nelle concessioni all'Iran, se è fiducioso che però la conferenza di Ginevra possa avere un buon esito. Al Presidente italiano vorrei
anche fare un'estensione di questa domanda anche in virtù dei contrasti che sembrano apparire tra gli antichi alleati USA e Israele, e se questo invece è a proposito dell'Europa, se questo nuovo è un nuovo asse Italia-Francia che spezza il vecchio asse Francia-Germania. Je voudrais parler à la place du président de l'État, ce sera plus simple. On peut avoir de bons rapports avec l'Italie et garder aussi de bonnes relations d'amitié avec l'Allemagne. La France et l'Allemagne ont des responsabilités particulières, chacun les connaît, ont une histoire. Nous avons fêté tout au long de l'année le 50e anniversaire du traité d'amitié entre la France et l'Allemagne. L'année prochaine, il y aura des commémorations qui auront valeur de symbole. Centenaire de la Grande Guerre, 70e anniversaire de la libération de la France. Et à chaque fois, je veille à ce que l'Allemagne soit pleinement associée à ces commémorations. L'Europe, elle a besoin de confiance et d'amitié. Et c'est non pas en séparant les pays, c'est en les unissant qu'on fait l'Europe. Donc il n'y a pas, si je puis dire, de renversement d'alliance. Ça relève de l'histoire. Sur la question de l'Iran, la France, son ministre des Affaires étrangères est ici. Nous avons fait en sorte d'avoir une déclaration qui rassemble ce qu'on appelle les 5+1, donc les États-Unis. C'est sur la base de cette déclaration que nous avons réouvert la discussion avec l'Iran. Mais il est vrai que les propos de M. Khamenei ne peuvent pas aller dans le sens de l'apaisement et de la compréhension. Donc l'Iran doit apporter des réponses et pas apporter un certain nombre de provocations. Sull'Iran voglio dire quanto noi guardiamo con cautela, prudenza, ma anche grande speranza al fatto che oggi un nuovo presidente, come il presidente Rouhani, abbia iniziato un percorso di apertura. Questa apertura sarà vincente, sarà reale, porterà conseguenze stabili? Non lo sappiamo. Lo speriamo però. Lo speriamo molto. Perché credo che abbiamo tutti vissuto come una grande sconfitta la chiusura che l'Iran ha vissuto in questi anni. Ed è stato un fatto negativo per l'intera comunità internazionale. Quindi noi guardiamo con speranza, il ministro Bonino ha incontrato qui a Roma il ministro degli esteri iraniano nei giorni scorsi, io stesso ho incontrato il presidente Rouhani e François ha fatto lo stesso a New York durante la sessione generale delle Nazioni Unite. Credo che sia un auspicio che assolutamente ci accomuna, ovviamente nella cautela e nella prudenza che è dovuta al fatto che la vicenda tocca aspetti, quali sono quelli del nucleare, decisivi per la sicurezza globale. E quindi abbiamo bisogno di andarci con i piedi di piombo, come si dice in Italia, in una logica però, ripeto, in cui io spero che la speranza prevalga e noi lavoriamo perché la speranza prevalga. E quanto agli assi europei, non è questione di assi europei, è questione, credo, di fare comprendere a tutti ciò che è stato il cuore della discussione del nostro vertice franco-italiano. E il cuore è questo, lo voglio dire così. Le prossime elezioni europee saranno elezioni nelle quali non sarà probabilmente un confronto tra destra e sinistra quello che attraverserà il cuore della discussione politica europea, come fu in passato.
Ma le prossime elezioni europee saranno elezioni nella quale il confronto sarà tra chi vuole l'Europa dei popoli e chi vuole l'Europa dei populismi. Questo è il confronto che le prossime elezioni europee vivranno. E se è vero che questo è il confronto, in particolare Francia e Italia vivono una dinamica simile. E questa dinamica simile ci deve vedere impegnati, molto impegnati, a far sì che le prossime elezioni arrivino in un momento in cui l'Europa riesca ad impostare una missione, la missione della crescita, che sia appunto percepita dai cittadini in modo diverso da come i cittadini hanno percepito l'Europa in questi mesi e in questi anni. Perché se invece i cittadini dei nostri paesi percepiranno l'Europa come l'hanno percepita negli anni scorsi, vinceranno i populisti. E la partita sarà una partita che sarà difficile poi da raddrizzare nella fase delle elezioni stesse. Ecco perché il Consiglio europeo di dicembre è così importante, ecco perché bisogna dare dei messaggi molto chiari, ecco perché l'anno prossimo dobbiamo partire con questa idea della legislatura della crescita, e credo che questo sia l'impegno veramente che ci accomuna, che ha accomunato il nostro lavoro oggi. Io sono felice di questo, non lo voglio definire un asse franco-italiano, perché non credo che la parola asse o la parola di questo genere abbiano un senso. So per certo che Francia e Italia vogliono che la prossima legislatura europea sia la legislatura europea della crescita, e so per certo che Francia e Italia faranno di tutto perché questo accada e lavoreranno insieme per trascinare il maggior numero di paesi europei per arrivare a questo obiettivo. Questo è il motivo per il quale noi mettiamo a disposizione di questo grande obiettivo la presidenza italiana, il semestre di presidenza italiana, e credo che sia un obiettivo per il quale valga la pena non soltanto fare un buon lavoro tecnico, ma io direi di più, vale la pena prendere il vessillo, lo stendardo di una grande battaglia che è tutta politica, che non è tecnica, è una grande battaglia politica a favore dell'Europa dei popoli. E se non capiamo che questa battaglia dobbiamo prenderla con un grande impegno, non ci rendiamo conto del grandissimo rischio che corre l'Europa nei prossimi mesi. Io credo che Francia e Italia questo rischio e questo pericolo lo vedono benissimo, e Francia e Italia vogliono assolutamente combattere questa battaglia per l'Europa dei popoli. Grazie. Si pregano i ministri di uscire da dietro il palco. On prie, monsieur le ministre, de sortir par derrière l'estrade.